salut à tous, on se retrouve pour parler des différents défis qui arrivent sur Fortnite. Donc on va voir aussi quelques petites choses sur l'événement du coup qui arrive aussi. Donc c'est parti, pour commencer je vais vous montrer du coup tous les défis pour les défis d'anniversaire qui vont arriver, donc pour les 2 ans de Fortnite. Donc voilà, j'ai réussi à vous le trouver en français. Donc le premier ce sera faire des parties, on aura le petit revêtement d'anniversaire. Donc le retour des gâteaux du coup sur Fortnite. Donc danser devant différents gâteaux d'anniversaire, donc on gagnera du coup une musique. Donc je vous laisse l'écouter. Ensuite, on aura survivre aux adversaires, donc pour gagner un spray du coup. Obtenir des PV ou du bouclier à partir d'un gâteau anniversaire. Donc là, on gagnera la petite émote 2 ans du coup avec le cake en dessous. Et pour finir du coup, très très cool là pour le coup, c'est terminer 4 défis pour gagner la récompense. Donc on gagnera une pioche gâteau. Donc c'est tout simplement une fourchette plantée dans un gâteau. Et franchement, ça je trouve que c'est stylé. On aura le skin du coup pour ceux qui étaient là pour leur premier anniversaire. Et du coup, la pioche. Donc voilà, maintenant on va parler de Fortnite X YouTube. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez désormais lier votre compte Epic à YouTube, donc pour recevoir des récompenses lorsque vous regarderez des vidéos sur du coup la chaîne en question. Donc ils vous ont mis le lien. Voilà, on gagnera par exemple des aérosols, le fameux revêtement que je vous avais montré, donc rouge et blanc. Donc en fait je m'étais trompé, je pensais que c'était pour aller avec le skin rouge et blanc là qui avait. Bon, je pense que ça irait avec, mais du coup c'est pour YouTube. Donc vous aurez plein d'occasions de recevoir des récompenses, donc le 25, le 26, le 27 et le 28. Donc on aura 3 récompenses. Donc on a le 25 et le 26 où on aura l'aérosol Game Jam, le 27 où on aura l'aérosol de la World Cup, et le 28 où on aura le revêtement ligne rouge du coup. Donc voilà, ne les ratez pas, faites comme moi si du coup vous voulez juste pas regarder mais avoir la récompense. Vous laissez tourner YouTube, il y a marqué normalement quelque part qu'il faut laisser au minimum 20 minutes de visionnage il me semble, avant d'avoir votre récompense. Donc voilà, pour ceux qui regardent habituellement vous n'aurez pas de soucis, mais du coup pour ceux qui regardent pas vraiment comme moi, bah, laissez votre téléphone ou votre PC tourner et revenez dans 20 minutes. Et normalement la récompense est automatiquement mise sur votre compte. Donc je vous montre quand même rapidement comment lier votre compte. Vous allez juste sur le lien en bas et normalement sous le chip il y aura marqué récompense, vous cliquez dessus et votre compte sera lié. Pour ma part c'est déjà lié donc j'ai pas besoin de le refaire, mais voilà pour ceux qui ne savaient pas ou qui n'y arrivaient pas. Il y a aussi du coup un tuto qui a été fait par Epic, donc pour ceux qui ne voyaient pas récompense ou qui n'y arrivent pas, où il faut juste se connecter à YouTube, dans votre compte vous sélectionnez les paramètres et vous mettez compte connecté, là vous mettez Epic Game, vous connectez et c'est terminé. Voilà, si vous n'avez pas lié votre compte Epic Game, je vous rappelle que vous ne gagnerez pas les récompenses du coup. Faut vraiment le lier et ensuite regarder le live avec le compte YouTube sur lequel vous avez lié votre compte Epic. Donc voilà, ensuite pour terminer les défis d'ultime effort, donc comme je vous avais déjà présenté, il y aura les 3 variantes, donc Meta, Stratus et Jonesy du bunker. Donc ils seront simples à avoir, je pense que globalement tout le monde les aura. C'est juste accomplir le défi d'ultime effort, atteindre le palier 87, 71, 23. Donc pour le moment, c'est juste du palier. Ensuite, on a vraiment beaucoup d'XP. Je pense que pour ceux qui n'ont pas fini leur palier, franchement là vous avez de quoi le finir, ou même ceux qui n'ont pas terminé leur niveau et qui sont vraiment proches du 100 ou quoi. Donc 2500, 2500, 5000, 5000, 10000, 10000 et 15000. Donc réussir des éliminations avec un ami, blesser des adversaires avec des fusils à pompe, donc visiter Loot Lake, Polar Peak et Pressure Plant, réanimer un allié dans plusieurs parties. Donc comme vous l'avez vu aussi, j'ai oublié de le dire, mais on aura un écran de chargement du coup quand vous aurez visité les 3 villes, blesser des adversaires avec des fusils d'assaut, danser à l'intérieur d'un hologramme de tête de Durburger. Donc là on aura du coup encore un écran de chargement, finir le top 15 en duo ou en section avec un ami, blesser des adversaires avec des pistolets mitrailleurs, donc là ce sera l'XP, marquer un but sur un terrain de football en salle, donc là ce sera du coup l'écran de chargement, et terminer tous les défis. Donc là on a les 15000 d'XP. Donc voilà, comme d'habitude n'oubliez pas de liker, de nous soutenir en vous abonnant. Vous pouvez aussi passer sur Utip qui nous permet de vous faire des petits concours. Sur ce je vous laisse, à plus et à la prochaine.